Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 3 du Let's Play de Resident Evil HD. La dernière fois, je m'étais un peu foiré, je m'étais un peu perdu. J'avais couru à droite à gauche, mais j'avais réussi à avoir une nouvelle clé grâce au chien avec le sifflet. Et donc, on va continuer la visite. Je m'étais aperçu aussi que les zombies se relevaient au bout d'un moment. Chose que je n'avais jamais vue avant. Donc, ouais. Donc, dès que je peux. Enfin, je verrai bien. Je suis où? Ouais, je suis là. Je voulais faire un truc avec la plante, mais j'ai pas pu le faire. Ouais, je sais ce que je vais faire. Ok, déjà c'est pas par là que je voulais aller, mais tant pis. Donc on veut continuer par là. Et merde, j'ai oublié de prendre le briquet. Ouais, j'ai oublié de prendre le briquet. Ah bah de toute façon non, j'en ai pas besoin tout de suite. Il se passera quelque chose d'autre avant donc. Ici, il n'y avait rien à ouvrir. Non, ok, c'est bon. Ouais, je voulais faire celle-là. Oh. Ça m'a fait flipper ça, ils avançaient. Malheur à ceux qui osent troubler mon sommeil. Il y a un bouton appuyé dessus, non? Il y a un objet dans la cavité, mais la grille nous empêche de le prendre. Ok. Le chevalier endormi. Chevalier endormi. Chevalier endormi. Chevalier endormi. Apparemment, je peux les bouger. Ouais, avec la chance que j'ai, je ne vois rien. Alors, je vais regarder un peu les dessins. Bouclier, hache. J'essaye de voir. Et je pense que je vais faire celui-là. Oui, on va l'ouvrir, vous inquiétez pas. Je sors d'abord.
On sait jamais. Un truc à retardement ou... Pas de zombies, ok. Pourquoi j'appuie toujours sur combiner? Il y a un motif représentant le soleil et la lune sur la plaque, on peut lire. Je m'éveillerai avec la lumière du soleil. Il y a des boutons partout en fait. Bon, bah je sais pas comment ça s'ouvre, tant pis. Je verrai ça plus tard. Oh! Richard! What happened? You're wounded! This whole place is a killing zone. There are... monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Bon, on va aller chercher du sérum hein, pour notre ami. Faut l'aider. Du sérum, vite. Heureusement qu'il vomit, qui m'a pas attrapé. Alors, sérum. Cool, j'ai trouvé du sérum. Allez, on y va. Non! J'ai oublié quelque chose. J'ai été trop vite. Désolé. Je voulais aider mon pote et puis... Merde, il est où ce con? Je sais jamais si je dois refermer ses blessures, un coup de zippo.
Bon, Vomito, il est pas mort. Bon, en même temps, je pense pas qu'une décharge électrique, ça allait le faire mourir. Ouais, j'ai été un peu trop vite. D'habitude, je prends un peu plus mon temps pour qu'il tourne et tout ça. Bien que là, il n'y a pas de temps. Hein. Du moment que vous prenez le sérum et vous allez revoir Richards. Mais bon, ça mettait un petit peu d'action. Allez, on va lui donner le sérum. Here, Richard. I'm gonna give you a shot. Hang in there. Jill, here's my radio. Take it. I'm... Does it ever not hurt? I'm okay. The others... Comment ça, les autres? On a vu. Vas-y, faut lui en mettre combien, lui? J'ai canné au moins. Oh, des munitions de fusil. Oh ! Dégage ! Vas-y, le mec il était caché derrière. Ah, j'ai plus de couteau, j'ai plus de truc. Il va falloir que je retrouve. Non, normalement on fait pas. Faut pas que j'aille voir le serpent géant aussi. Richard, vous devriez peut-être le laisser tranquille pour le moment. Attendez, je vais essayer de voir si je peux ouvrir la porte. Enfin, la débloquer. Parce que je crois.
crois qu'elle est fermée à clé. Ouais. Normalement, j'ai pas la bonne. Ouais, qu'est-ce que je me disais? Bon, bah, je le laisse tranquille. On va retourner à la salle. Comment on appelle ça? Truc d'infirmerie. Je vais aller chercher la parole. Combiner la partition. Puis on va aller faire le. On va aller faire le piano. Je vais essayer d'esquiver vos mythos. Normalement, ouais, il n'y a pas de danger. Gros dégueulasse. Chercher le blason. Chaque fois que je passe à côté d'une fenêtre, j'ai le cœur qui bat, mais d'une vitesse. Je me dis toujours, il y en a un qui va sortir de là. Ah, j'étais traumatisé avec Resident Evil 2. Les bras, les zombies qui sont sortis par la fenêtre. Il y a eu le 1 aussi avec les chiens, mais là bizarrement il n'y a pas eu. Ah là là. Comme quoi jouer du Mozart, ça vous ouvre pas mal de portes. Oh mon Dieu. Non, le journal de Trevor.
Désolé, hein, j'étais en train de lire aussi. Alors. Oh là là, c'est d'un compliqué ces architectes. Mettre des énigmes comme ça. Vous imaginez-vous habiter dans une grande baraque comme ça? Et obligé de dire, bon, allez, je prends mon emblème, je prends un joyau, faut que je le mets là. Faut que je mette un symbole pour ouvrir une porte. La galère! Tiens. Ça représente deux chevaliers qui se battent. L'épée la plus courte est enfoncée dans la poitrine. Et la longue épée transpercée la tête. Ah, ok. Ok, donc c'est pas ça. C'est l'inverse. C'est moi où ils s'étaient trompés dans les noms. Waouh! C'est quoi comme clé? Un bouclier est gravé sur le clé et la clé bouclier. La clé bouclier. La clé casque. J'ai essayé d'aller ouvrir toutes les portes que j'ai pas ouvertes. C'est-à-dire... Ouais, celle-là. Je vais revenir en arrière en bas pour voir.
Ok, donc c'était avec la clé armure. Et j'espère qu'il n'y a personne. Oh, Barry! Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Alors, testament du chercheur. Une lettre a été glissée à l'intérieur. Le haut a été déchiré. Le reste de la lettre est encore visible. Alma, je n'ai tenté de survivre que dans l'espoir de... Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part, and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. C'est cool qu'on ait croisé Barry. Divertir le type d'hameçon et elle en prend un. Ok. Mais oui, vas-y, prends tout. Lui, il a l'air bien collé avec le truc. C'est l'autre là-bas qui va pas. Ça a pas l'air d'aller. Lui, il va le prendre. Ça va peut-être mieux comme ça. Ah, bah voilà. Je me casse. Elle est revenue à la vie. Non mais oh, c'est quoi ce délire? Bon, ça va prendre l'énergie.
caméra elle est mis bizarrement. De premier secours. Mais non, il voulait pas appuyer dessus. Cool, j'ai un spray. Ses empreintes de pas traversent le lit. Il en veut pas, mais c'est gentil quand même. Et il y en a deux en plus. Ah, j'ai fait le con. Bon, tant pis. Bon, bah, tant pis, je me casse. J'ai vu Barry, j'ai récupéré un symbole. Au pire, je sais qu'ici il y a des plantes. Je vais redéposer ça en bas. Je vais continuer la route. Et là, j'ai... Oh là ! Oh là là. C'est quoi cette violence ? Depuis quand ils sont aussi violents ? Bah ça c'est cool. On peut pas les combiner, ok. Oui, vous allez me dire pourquoi t'as fait ça, je ne sais pas moi-même.
coup, la poignée de la porte va sans doute casser, j'ai rien compris. Ça veut dire que je peux pas revenir? Alors, c'est où que j'ai pas ouvert? J'ai pas visité ce... Ah si, j'ai tout visité ici, non? C'était la cour de... Ben non, c'est l'autre côté. C'est verrouillé. L'emblème de la famille Spencer est gravé sur la poignée de la porte. Foiré. Ok. Oh. Chez moi, quel con, je vais pas recharger. Alors, ça c'est la salle au corbeau. Qui, oui, je vous l'accorde, ça fait bien flipper. Alors, Lisa protégée par les trois esprits. Une femme portant un bracelet, un collier. Et une couronne. Il y a un bouton en bas du tableau. Appuyez dessus. Non. L'image d'un héros portant un bracelet. Elle est sertie d'un vitrail jaune. Il y a un bouton appuyé dessus. Je regarde avant, hein. L'image d'un sage portant un collier. Elle est sertie d'un vitrail rouge. Il y a un bouton dessus. L'image d'un saint portant une couronne. Elle est sertie d'un vitrail jaune. Il y a un bouton dessus. Non. Ok, donc je croyais que c'était le... Porter la lumière de la vérité aux trois esprits. L'image d'un héros portant un bracelet.
Oh là là, ça pue. En plus, je ne comprends rien là. Ok, si tu fais ça, ça va éclairer de l'autre côté. Ah! J'ai compris. Ok. Un bracelet. Lumière orange, appuyez dessus. Tableau représentant un brave après une couleur blanche et pure. Attendez, hein, je fais des tests. Et lui. Normalement, c'est ça. On va voir hein, si je me fais attaquer par les corbeaux. Masque mortuaire. Là, ça me ramène où? Ah, ok. Au cimetière, donc... Un masque mortuaire sans bouche, ok. Non, c'est pas par là. C'est par là. On va les mettre à la bouche.
J'espère qu'ils ont pas fait pop des zombies. Non. Une statue de pierre avec des trous à la place des yeux. Statue de pierre avec un trou à la place de la bouche. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Je sens que ça va bien puer une fois que j'aurai rassemblé les quatre. Hein. De toute façon, ici et la grille qui est derrière les escaliers, je sens que ça va bien puer hein, quand on va les ouvrir. Qu'est-ce que je devais faire? C'est quoi que je devrais essayer d'ouvrir? Pif, paf, pouf. Oui, effectivement, ouais. Il y a tout ce qui est couloir de l'autre côté. En haut, il y avait une pièce, ouais. Ah, il y avait deux trucs que je pouvais pas ouvrir. Attends. On rentre. Ouais, il y a là. Ah, oh, ok. Bah, on va pour en haut alors. C'est parti. On va aller dans le coin où j'avais jamais été. Où je n'y suis jamais allé, pardon. Espérant que c'est la bonne porte. Ouais. Alors. Ici. De l'autre côté. Et ouais, mais comment on fait pour aller de l'autre côté? Ouais, on s'en fout, on va aller voir les autres portes. Ouais, je vous dis tout, hein. Je viens de flipper là à cause de mon... Oh putain, là j'ai flippé aussi. Lâche-moi, enculé. Oh putain. Mais c'est quoi ça, toutes les portes qui sont coincées de l'autre côté je veux bien, mais on fait comment pour aller de l'autre côté? Oh, 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 déjà toi tu vas te calmer. Grave. Hé, ramasse-le. Non, 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 non. Je me casse. Putain, elle voulait même pas ramasser le truc. Manquerait plus que les corbeaux m'attaquent. Oh putain. Oh, moi, si vous jouez à ce jeu-là, je vous conseille de les cramer. C'est pas possible. Comment ils se réveillent tout furieux? Non, mais attends. Mais comment on fait pour aller de l'autre côté? Ah, c'est l'ascenseur. Ah, ce serait peut-être avec l'ascenseur. Ouais, c'est ça, c'est l'ascenseur. Donc,
Je propose. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir proposer, moi? Là, c'est le serpent. Là, c'est le serpent. Là, ça s'ouvre pas. Là-bas, non, il faut un... Ah oui, ça ouvre de l'autre côté, d'accord. Bref. Attendez, je regarde un peu. Le problème, c'est que je ne sais pas. Je sais pas ce que je dois faire. Le serpent déjà? On va aller voir. Oh non, j'espère que lui il est pas là. Je vais aller prendre du soin. Non, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais me guérir et puis on va s'arrêter là. Voilà. Merci d'avoir regardé l'épisode 3 qui était pas super passionnant, mais bon, voilà. Et je vous dis, bah ciao les amis.